Les enjeux de ce projet sont multiples. Dans cette phase de démarrage et d'étude, toutes les propositions et tous les avis peuvent s'exprimer. Durant le premier atelier de travail sur le projet, nous avons questionné quelques experts. Voici leurs remarques. J'ai trouvé que les gens étaient très motivés, effectivement, alors que c'est jamais facile d'avoir un foncier aussi important. On imagine assez facilement construire tel ou tel équipement, mais ça prend un petit hectare ou 300 mètres carrés. Donc penser vraiment, c'est presque une ville entière, je trouve que c'est un très beau challenge. Et si on ne fait pas les bêtises qu'on observe ailleurs, c'est-à-dire en prenant les étapes telles qu'elles ont été présentées, avec l'association de toutes les personnes qui doivent être associées pour pas ensuite qu'il y ait des rejets, en pensant vraiment à une stratégie territoriale, à quelque chose, à l'attractivité, parce qu'il y a un combat extrêmement fort entre toutes les villes qui veulent toutes de l'économie, des salariés, des commerces, des zones de loisirs. Or, c'est les meilleures villes qui gagnent. Donc il faut être très fort en concept, il faut être très fort en idées nouvelles, sinon ce n'est pas bon. Les plaisanciers, ils ne s'arrêtent pas tellement dans les lieux le long de la Seine. Ils s'intéressent plus aux canaux, plus au sud, à la Bourgogne. Là, ils sont attirés par le Midi aussi. Mais pour ce qui est de la Seine elle-même, il n'y a pas suffisamment de quoi les attirer à ce jour. Aussi faire un équipement, un port de plaisance qui attire véritablement les plaisanciers du monde entier. C'est-à-dire que les gens, quand ils quittent Paris, où on peut supposer qu'ils ont passé un peu de temps, qui se disent « Ah ben voilà, notre prochaine étape, ça va être Melun ». Une navette bien constituée pourrait desservir une bonne partie de l'agglomération aussi efficacement, aussi rapidement qu'un bus. C'était un site industriel, moi je l'ai connu il y a 50 ans parce que je suis un vieux Melunais, et il y a 50 ans je peux vous dire que c'était très très moche, avec des entreprises d'industrie lourde, des fonderies, et que là on va en faire à la fois une zone d'habitat et une zone d'activité, mais avec des activités qui seront évidemment beaucoup moins lourdes et beaucoup moins nuisantes que ce qui existait autrefois. Le MEDEF soutient totalement ce type de projet qui permet de rénover complètement un quartier à côté de la ville-préfecture, dans la communauté d'agglomération qui est une des plus importantes du département, et je pense que ce projet permet justement à cette communauté d'agglomération de se faire connaître et de montrer qu'elle va de l'avant. Vous avez un cadre naturel qui est fantastique, une desserte en transport en commun, et puis une armature urbaine avec l'ensemble Melun, Damary-les-Lys, enfin l'ensemble de la communauté d'agglomération, qui me semble un atout très important sur le sud de la Seine-et-Marne. Le projet est énorme, hein, c'est conséquent. Il est manifestement structurant pour l'ensemble du bassin de vie melunais, de l'agglomération. Il est aujourd'hui au stade de l'esquisse, mais c'est justement maintenant qu'il est vraiment passionnant parce que tout est possible. Ce projet, il cristallise à la fois les thématiques qui nous sont chères, qu'il s'agisse de transport, d'environnement, d'eau, d'assainissement, de propreté et d'énergie. Mon souhait, c'est que ce projet puisse s'inscrire durablement et sceller le développement de cette agglomération pour les générations qui viennent.